Amadou Bamoulké est officiellement poursuivi pour détournement de fonds, non pas à des fins personnelles, mais au seul profit de la CRTV. L'accusation n'a fourni ni preuves, ni témoins pour soutenir ses allégations. Le procès s'éternise, il a déjà été renvoyé à 20 reprises. Sur la forme, depuis 2 ans, le tribunal a déjà largement dépassé le délai de 9 mois dans lequel il est censé rendre sa décision. Sur le fond, l'accusation fait durer le procès, faute de preuves, et derrière le gestionnaire, c'est aussi le journaliste qui est attaqué. Fervent militant de l'ouverture du secteur de l'audiovisuel, de la dépénalisation des délits de presse au Cameroun, d'un journalisme de service public véritablement indépendant, Amadou Bamoulké est une figure du journalisme camerounais et africain. Sa place n'est pas en prison et RSF continuera à se battre pour obtenir sa libération.